Hello tout le monde! Bonjour à tous, donc on quitte la côte des Caraïbes. Oui, tellement il faisait chaud. 35 degrés et 120% d'humidité. Donc on roule, on roule. On a fait ça en deux étapes et on arrive à Medellín. Mais Là, ça c'est vraiment compliqué. Vous allez le voir dans la vidéo. Ça n'a pas l'air, mais je oui. pense à vue d'œil comme ça, c'était plus de 15% la côte, voire peut-être 17? C'est ouais, pas entre 15 possible? et 20, je ne sais pas. J'ai regardé un peu sur Internet, essayé de trouver Ils quelque ne chose, disent pas de pas, hein? référence, non, Non. non. Allez, Mais regardez, regardez, ça c'était vaut la l'enfer. peine. Quel stress. On a traversé Medellín. J'allume seulement la caméra maintenant tellement je suis tendue. Et ça, je sais pas, c'était une côte de combien de pourcents, de combien de pourcents? J'ai jamais pris de côte aussi forte que ça de ma vie. Non, c'est quelque chose, c'est ça. On n'y reviendra pas, hein. Bah, pas avec le véhicule, ça c'est sûr. Tiens ta droite un grand, parce qu'on est gros, hein. Oh là là. Et ça grimpe encore de plus, hein. Allez. Tout droit ici ou à droite? Je sais pas. À droite, ça monte moins fort. Tournez à gauche sur la cale 57CC, puis prenez la deuxième rue à Non, je droite. dois pas monter là quand même. Même lui, avec sa voiture, il n'y arrive pas. Tu disais quoi? Que ça montait moins fort? Ne sera pas monté là. 4 tonnes, maximum 4 Ben tonnes. c'est bon, hein. Bon, ok. Walter est monté. Ils nous ont laissé passer, heureusement. Putain, t'es... J'ai serré les fesses, moi. Ça, c'est l'aventure, hein. Faudrait pas devoir faire une manœuvre ici dedans. C'est quoi? On n'a pas choisi le bon camping, là, hein. Ah ouais, mais t'as vu, GPS, ça monte, à mon avis. Ça va faire tout le temps comme ça. Non. Si? Oh, je suis pas à l'aise. Et moi, tu crois que je suis à l'aise? Oui. Bon, je continue à filmer, mais. On va patiner, on va devoir mettre le 4x4. Et tu regardes si les câbles, ça passe. Ouais. Oh putain. Je parie que tu ne penses même pas. Et toi, t'y penses? Ben oui, puisque je te le dis. Ah, t'y penses maintenant, mais avant, t'y avais pensé. J'ai mes yeux qui vont partout. Quel pays de fous! Oh, ben là, c'est une expérience, ça, c'est sûr, hein. Ici, tu ne sauras pas mettre Walter de niveau, hein. Oh là 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 là, ça patine. Et laissez-moi passer parce que moi je vais pas redémarrer. Hein. Oh là 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 là. Ne te laisse pas passer, c'est dingue. Attention, hein, à droite. Attention, hein. Attention, attention, attention. Ah, derrière. Hein. J'ai passé. Mais non. J'ai les cheveux, ça me pique à la tête Je tellement je suis. suis. Alors là, depuis le voyage, c'est le moment où je stresse le plus. Tirez à gauche sur la carrière 21. Je suis accrochée au mangeur GoPro, comme si j'allais Oh tirer. là, ils sont à l'arrêt, on va devoir redémarrer, on n'y arrivera pas. Non. Oh. Et c'est pas monté. Oh. Oh, avec sa moto, il recule. Attends. Il sait pas redémarrer une gare en moto. Ça va, j'ai mis le 4 roues motrices. Oh! Il est dans la merde. Il sait pas ce qu'il doit faire. Ouais, c'est ça, descend ta moto. Même avec. Ouais, c'est pas démarrer mon temps, c'est un truc de fou ça. Ça me stresse. T'imagines s'il recule et qu'il laisse tomber sa moto? Et l'autre qui essaye de dépasser ici, c'est dingue! On aurait... Oh, ça y est, il tombe. Oh là 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 là! Oh l'autre ici encore un peu, il nous bourre dedans. Il n'arrivera pas avec madame, hein? C'est quoi ça pour un bazar ici? Pourquoi est-ce qu'on est venu par ici? Et les autres, ils dépassent tous. Oh mon Dieu, mon Dieu! Et la gamine! Regarde, ils dépassent tous, mais nous, c'est pas passé.
I know. Oh, maintenant il recule. Et l'autre, il s'est pas démarré. Il s'est pas redémarré, l'autre, avec sa voiture. Oh. On a mis par prudence le 4 roues motrices, c'est quand même passé, mais ça a patiné quand même. Oh mon Dieu, on n'aura plus de jambes. Pas parce qu'on aura poussé, mais il s'agit pas de devoir aller à d'autres rues sur le côté, mon chéri. Oh mon Dieu. Non, c'est pas possible, on peut pas aller là-bas. Ah ben, tu vois bien que ça te passera pas. N'essaye pas de passer. Un truc de fou. On a les jambes en coton tellement qu'on est stressé, qu'on a peur, on est... Faut trouver un endroit n'importe où pour se poser, je m'en fous. On ne s'en rend pas compte, mais on est... Faut que je récupère. Le nez en avant. Bon, ben résumé des choses, on est complètement perdu. Et on est en mode stress. Parce que la route qu'on a pris, ça n'avait pas dû faire demi-tour. On n'ose pas s'arrêter, il s'est très très mal famé. On a vérifié, c'est fermé. Et même filmer, j'ose pas trop. On ne sait pas ce qu'il faut faire. On va regarder un peu plus loin. Donc, la route que le GPS voulait nous faire prendre par le camping, c'était mort. On a rebroussé chemin. Impossible. C'était l'enfer. Oui. Donc, on a changé les plans. Vous avez vu, on est allé à Guatapé, mais ça, vous avez déjà vu la vidéo. Et on reviendra à Medellín dans 3 jours, au logement qu'on a réservé. Mm-hmm. Parce qu'on a trouvé un parking sécuritaire 24 heures sur 24, avec gardien. C'est combien? 3 euros la nuit? Oui, 15 000 colombiens. Un peu plus de 3 euros la nuit. Mais on ne peut pas passer la nuit dans le camping-car. Alors là, c'est le moment le plus chouette de la vidéo. Bonne vidéo! Allez, à plus tard! Hello tout le monde! En fait, voilà, on vient d'arriver à Medellín et on a été accueillis par nos hôtes qui sont très gentils. Déjà, on a trouvé un parking très sécuritaire. Et là, en fait, on va aller dans une location, un Airbnb pour 4 jours. 3 jours, 4 nuits. Oui. Et nos hôtes nous font visiter les premières. Enfin, un point de vue qui est de grande renommée. Alors, il nous dit, par exemple, ça c'est le type, normalement, à l'origine, les bâtiments étaient comme ça, avec des petits balcons, etc. C'est la façon de construire. Et alors, les voilà, ils sont là-bas. Et ça c'est le genre de sac qu'ils prennent pour aller dans les champs, quoi. Ah ouais, et c'est quoi leur nom? Alors, c'est Pablo, je crois. So, what's your name? You want me to take a picture? Repeat your name, please. My name. I am Pablo. Pablo. I am Alexandra. Et Alexandra. Voilà, ils sont au top. Oui, vraiment chouette. Le fermier typique et avec sa tenue typique. Allez, vas-y, Pablo. Go on. Yeah. So, you can explain. This is a typical farming outfit for men. Donc, je répète, il y a la besace pour mettre la besace, oui. Et puis alors la machette. La machette. Et évidemment le chapeau et le poncho parfois. Emmène vraiment à un point de vue l'endroit le mieux exposé à ne pas rater pour vraiment voir tout Medellín. C'est impressionnant. Medellín. Quand tu vois les maisons là-bas au-dessus qui montent fort loin. Alors, je vous montre. En plus, on le voit à la tombée de la nuit, ce qui est pas mal quand même. Et donc, tout, c'est Medellín, hein? Yes. Sorry. En fait, à Medellín, allez, vraiment, c'est 10 villes, en fait, tout autour. Oui, il y a 10 villes autour, oui. Il y a 10 villes autour. C'est des communes, c'est comme Bruxelles, il y a des communes autour. Mais Bruxelles, c'est déjà 1 million d'habitants. Hein.
Oui. Donc, Medellín, 10 communes tout autour, près de 4 millions d'habitants. Mais Medellín, vraiment, en centre, c'est 1 million. Oui. C'est pas mal, hein? C'est pas mal. Ça va. Il y a plus grand. Et donc, là-bas, tout au bout, c'est le quartier de Pablo Escobar. Et je pense, franchement, que c'est là qu'on a essayé de monter. Et c'était horrible. Ça y est. On prend le métro. On va où avec le métro? San Antonio. Oui, pour aller à Comuna 13. Oui, et alors c'est 3000 pesos par trajet. Par trajet. Ça fait combien ça? Ça fait 65. Ouais. Donc c'est bon. Bon, hein? Oui, c'est un peu bourré quand même. Oui, allez. C'est peut-être l'heure de pointe aussi. Ah, ouais, c'est possible aussi ça. Allez, on prend la sortie. On va descendre. Allez. C'est pas le métro japonais. Bon, maintenant, il faut aller à un autre endroit pour prendre vers San Javier. On est là. Ok, et c'est quelle couleur, San Javier? Ah bon, ils fonctionnent aux nouvelles couleurs. Nous, on vient de là. Ah, oui. Tu vois, on vient de là. Était sûr? Ah oui. Oui, oui. Pour Bladoc, faudra descendre. Tu vois? Ok. Et là. San Javier, il est là, donc l'orange. Une orange. C'est parti. Hein. Ma tête, hein, comme ça, après je vais être déformée. Alors c'est facile le métro? Eh oui, on fonctionne aux couleurs, ça va aller. Très facile, hein? Très facile, oui. On est sorti, on a vu la carte, on a vu les couleurs, on a vu le nom, ben ça va, hein? Mais non, tu me le mets en gros plan, arrête! Je couperai, je ne cause plus. Tu ne peux pas couper tout ce que je fais. Parce que tu coupes déjà plein de choses que je dis. Oui. C'est des imbécilités que je dis, c'est ça? Non, non, pas ça. Mais je me farcis 5 heures de vidéo pour en mettre 20 minutes. C'est pour de quoi t'occuper, je vois oui. Que tu t'ennuies. Après, tu vas te plaindre que je ne fais pas d'autre chose. Et voilà, on est parti en direction de la Comuna 13. Comment est-ce qu'on dit 13 en espagnol? 13. 13. Et c'est la Comuna 13 par El Camino, en marchant. Et on va aller voir, parce que dans ces quartiers, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de graffiti. Donc, on vous emmène. C'est bon, c'est par ici, parce qu'il n'y a personne, c'est bizarre. Pas sûr, hein? Oui. On va demander. Tu demandes? Oui. Allez, alors. C'est moi qui... Ah, ben oui, qui hablo. Hein. Hola, buenas tardes. ¿Dónde es por el escalator? Venga, yo lo metí aquí. Oh, gracias. Ah, c'est là, parce que c'est... Vea. La torre, ¿la está viendo? Ah, ¿es el graffiti? ¿Los graffitis? Ah, ok. ¿Y el camino dónde? Aquí. Ok. Pero van allá para un rompocito y la mano izquierda, no. A la izquierda de. Ok, ok, muchas gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Je ne veux pas dire voilà, ça y est. Je crois qu'on a compris les instructions, on est sur le bon chemin pour aller aux escalators. On arrive dans le quartier le plus dangereux de Medellín, voire de la Colombie. Ça y est, on rentre dans la Comuna 13, on est au pied. Et alors c'est bien parce qu'il y a des escalators pour monter. On va vous montrer ça. Et voilà, voilà. Hop, un petit coup d'œil. On est dans la Comuna 13. Il y a énormément de graffiti. Donc je vais essayer de vous en filmer un maximum. Bienvenido. Dans les années 90 et au début des années 2000, la Comuna 13, comme les autres quartiers pauvres de Medellín, est rongée par la pauvreté et la violence. Ces quartiers sont notamment sous le contrôle des FARC et des narcos. Bref, un terrible mélange de pauvreté et de violence. En 2002, le gouvernement décide de lancer une opération militaire pour nettoyer le quartier. C'est l'opération Orion. Cette opération a marqué à jamais l'histoire de la Comuna 13. Alors, je vous dis pas les gars, hein, c'est très compliqué de vous avoir des trucs sans personne. Impossible. Thank you.
C'est pas compliqué hein, de faire une veste. Hein. Hop, elle vient d'écrire Medellin et puis après maintenant elle fait sa petite déco. Nickel, nickel. Très bien. Ça y est, on arrive aux escalators. Tu viens aux escalators? Oui. On doit être, les enfants doivent être accompagnés aux escalators. Ah ben donne-moi la main alors. C'est dommage qu'ils mettent des trucs comme ça devant les peintures. Ouais. C'est un architecte qui a proposé cette option de transport public créatif pour relier les quartiers pauvres. Ce sont d'ailleurs les premiers escalators extérieurs au monde. Mais depuis, ils ont été copiés par plusieurs autres villes comme Rio de Janeiro ou Ankara. C'est dans le milieu des années 2000 que la Comuna 13 a misé sur le tourisme. Des initiatives se sont créées pour amener les voyageurs dans les quartiers, afin de leur faire visiter les lieux, notamment grâce au graffiti. Par contre, l'histoire ne fait aucune mention à propos de Pablo Escobar dans la Comuna 13. En effet, son pouvoir s'étendait sur d'autres quartiers de la ville. Hello tout le monde! Hello! On vous emmène dans notre deuxième journée visite de Medellin. Alors aujourd'hui, on va aller au Musée de la Mémoire. On a de nouveau pris le métro. Oui, on y va pour toi. Ouh là là, ben c'est mal barré. Tu retrouves un peu de mémoire. C'est un peu mal barré. Et tu mets tes affaires. On a de nouveau pris le métro et on s'est arrêté à Parque Barrio. On vous emmène. En ce jour de l'an 2023. 2023, c'est-à-dire qu'on est le 1er juillet, bien sûr. 1er juillet, on vous emmène visiter la Casa, le musée de la Casa de la Mémoire. La Casa. La Casa de la Mémorie. La maison de la mémoire qui retrace l'histoire de la Colombie, je pense. Et comme ça, suivre en français, je pense. On verra... Finalement, tu sais rien, quoi. Non, on verrait bien. Oh, mon chéri, qu'est-ce que tu penses de la visite de la maison de la mémoire? Ouais, j'ai pas... C'était pas mon truc. J'ai pas trop aimé. Non. J'ai tourné en espagnol, en français, on n'est pas arrivé. Voilà. En fait, il y avait les inscriptions en français, mais on n'avait pas trop l'impression d'avoir une histoire. C'était pas une histoire. Oui, non, je sais pas. On n'avait pas l'impression d'avoir l'histoire, voir ce qu'il y avait sur les phares, etc. Donc, c'était plus... aller se souvenir, ne pas oublier les différences qu'il y avait... Tout ce que les Colombiens ont enduré avec l'armée. Oui, c'est plutôt ça. Hein. Oui. Bien sûr, il y avait plein d'articles à ce propos sur les 30 dernières années, mais et à ce moment-là, tu pourrais y passer des heures si vraiment tu... Tu parlais parfaitement espagnol. Oui. Voilà notre sentiment. Nous, bof, bof. Voilà. Je vous mets quand même quelques photos de ce que j'ai pris dans le musée. Impressionnant comme ça grouille de partout. Hein. Une vraie fourmilière. Et là, on va se diriger vers le bâtiment de la culture. Allez, d'abord. Qui est là. On va voir si c'est ouvert. On va voir. Ah ben là, il y a une entrée et une sortie, je crois. Oui, donc on va aller voir si c'est ouvert. On vous emmène, hein, comme d'hab. C'est un peu mieux exposé le Palacio de la Cultura. Ça fait bizarre de voir des bâtiments comme ça, ici dedans, dans cette fourmilière. Juste à côté du Palacio de la Cultura, on arrive sur la Plaza de las Esculturas Botero. Bon, vous m'excuserez pour mon espagnol et mon accent, ça en vaut la peine, mais au moins, c'est moi, j'apprends. Et nous voici sur la petite place de Botero. Il y a plein de belles petites sculptures modernes. Enfin, petites, elles ne sont pas si petites que ça. Je vous montre ça en image.
Pour la petite histoire, c'est un sculpteur colombien qui a donné ses sculptures à la ville de Medellín. Je crois qu'il y en a 13 ou 14. Oui, il y en a encore plein là-bas, je ne les avais pas vus. Il y a moins de monde ici, les gens n'aiment pas ça. C'est super beau. On kiffe quand même Medellín. Et en arrière-plan, vous voyez, il y a une cathédrale. Et voilà la dernière. Nous sommes où? Au Centro Palacio. Au Centro Comercio Palacio Nacional. C'est un bâtiment qui a été créé par un architecte belge. Cucurico. L'intérieur est fort beau d'après les images que j'ai vues. On va vous montrer ça. Vous voyez, les Belges, quand ils font quelque chose, ils ne font pas les choses à moitié. Regardez-moi ça. C'est pas mal pour un centre commercial. Un truc de ouf, hein? Oui, on va faire le petit tour. Eh bien, à l'étage où on est ici, c'est tous des artistes. Il y a plein de belles peintures. Mais j'ai trouvé celle qu'il me fallait. Je vais vous la montrer. Je crois qu'on va craquer, on va l'acheter. Voilà. C'est celle-ci qu'il nous faut. Après la visite de ce splendide bâtiment qui sert de galerie commerçante, nous nous dirigeons vers une place très animée où une jeune fille prépare de la gelatina de pata. De la gélatine de cuisse en fait. Il s'agit en fait d'une préparation sucrée dont l'ingrédient principal est le collagène des cuisses de bœuf auquel on ajoute du panela, c'est-à-dire du jus de canne à sucre cuit, de la vanille, de la cannelle et de l'amidon de maïs. Alors c'est quoi? C'est un fruit naturel, c'est dulce, donc c'est comme une pâte, c'est doux, c'est sucré, mais c'est aussi pour des soins capillaires. Alors elle me parle aussi de collagène, donc pour les soins de la peau, c'est un drôle de bazar. Et si je prends ça, ça va recouper, mes cheveux vont repousser. Je ne sais pas. C'est 2000. Oui, il va vous faire ça, mais je serais écœurée de manger tout ça. Et ici, ils viennent tous danser sur la place publique. Bon, encore un peu, on m'invite à danser. Alors que Chouchou filme en accéléré, il bifurque, je ne le vois pas et c'est la catastrophe. Je le perds. T'es là? Oui, je suis là. Tu m'as retrouvé? Oui, je t'ai retrouvé. Parce que vous ne savez pas, il a voulu me perdre. On s'est perdu dans Medellín. Oui. Et alors l'un que l'autre. Faire? En fait, c'est, on s'est perdu l'un l'autre. Oui, alors que faire? Aller voir chacun après l'autre et sans savoir où il était parce que c'était tentaculaire. Oui, hein, c'est immense. C'était un truc hein. De fou. Mais Fabienne a décidé de chercher un peu partout après moi, puis... Non, en fait, je me suis posée à deux endroits, chaque fois à attendre 20 minutes, une demi-heure. Puis finalement, de trouver quelqu'un parce que je savais que tu avais mon téléphone et d'envoyer un message. Malheureusement, t'as pas, il était sous vibreur, donc t'as pas fait attention. Et je n'ai rien vu. Et voilà. Et moi, je me dis, j'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes. Je me suis dit, je vais attendre un petit peu. J'ai attendu un quart d'heure, 20 minutes. Et puis,
je voyais personne, j'étais au même endroit. Il voulait se débarrasser. Donc je me dis, ben, la meilleure façon, c'est de retourner au logement. Sachant que Fabienne n'avait pas son iPhone, je me dis, est-ce qu'elle va retrouver le chemin? Mais c'était pas trop compliqué. Donc il a quand même réfléchi au fait que j'avais quand même des sous. Hein. Oui, elle avait la carte pour le métro. Moi, j'en avais pas, mais j'avais des sous. Heureusement. Et j'ai repris une carte pour le métro. Et je suis revenu au logement. Je me dis, il faudra bien qu'elle revienne là un jour. Donc, c'est la seule solution. Moi, et pour me demander la carte pour le métro, où je me dis, oh, il va falloir parler espagnol. Targeta. 20 000. Et ça a été, j'ai une carte. Et je suis rentré. Puis là, j'ai vu qu'il y avait des messages et tout ça. Elle m'a appelé. Je suis venu la rechercher à la gare et voilà, on est là. On est là. Moi, c'est un mendiant, enfin, hein, qui demandait de l'argent, qui m'a aidé, qui est allé appeler la police. Et alors, c'est la police qui m'a laissé un téléphone pour pouvoir joindre mon chouchou. Tout est bien qui finit bien. Voilà, on va aller voir s'il y a quelque chose à bouffer. Ouais. Je vous emmène plus loin. Ouais. Et c'est parti, on va aller voir dans le quartier où il y a plein de restaurants. Maintenant, on regarde, c'est sécuritaire, hein, t'as la police qui est partout. Et... Oui. Arrêtez ici, alors, c'est... Je sais même pas si c'est la police. Notre appart, il est juste là. Donc, on est vraiment pas loin. On est à 50 mètres. Et c'est très animé, hein, comme vous pouvez le voir. Oui. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Eh bien voilà, on a trouvé notre petit restaurant. Voilà, on est resté coincé au logement une partie de la journée parce qu'il drachait. On a décidé de sortir dès qu'il y avait une éclaircie. Pour tomber sur quoi? Sur le tuto et tout. La peur de ma vie, on vient d'essayer de me voler mon portefeuille, là, dans ma poche, là. J'ai senti qu'elle me bousculait, j'ai poussé du truc comme tu m'as dit, c'était la Marseillaise. Tu vois, t'as déjà oublié le réflexe de frapper. Ouais. Ça y est, on est sorti de ce bordel. Il y a plein de pickpockets ici dedans. C'est rempli. Faut vraiment faire attention. Très attention. C'est parti pour une nouvelle expérience. Oui, maintenant on vous emmène en métro câble. Oui, allez. Désolé pour la qualité de l'image, mais la vitre de la cabine est quand même sale. Ah. Et encore les quartiers. Oui, je filme un peu ça, les quartiers. Ah ben là, c'est toutes des roues qui tiennent sur toi. Wow. Ma chérie. Oui, mon amour. Elle patronne. Je lui ai dit que j'aimais pas quand il disait. Quand il disait la patronne est là. Je suis pas la patronne. Ben, c'est vrai, moi j'ai rien à dire moi à la maison. Ouais, c'est sans ça. Sans être aussi perdu, je n'ai plus rien, je n'ai plus de sous, j'ai plus de camping car. Ben, je lui ai dit hier, tu t'es bien débrouillé sans moi. J'étais perdu.
Quand c'est vert, c'est que c'est bon. Oui. Tu savais pas? Ben dis-moi, c'est quoi que tu veuilles? Mais t'as regardé quoi comme vidéo? Medellin. Ah, ben voilà. Bonjour. Bonjour, hein. On doit parler de Medellin. Qu'elle a dit maman. Elle patronne. Bon. Hello tout le monde. Bonjour, j'avais vu plein de boutons. Il a été bouffé par les insectes. Oui, on suppose. Ouais. Et rapproche-toi. Hein. Montre qu'on est encore ensemble. Hein. Ah oui. Je t'intéresse. Au soir, oui. En journée, non, j'ai remarqué. Fait trop chaud. J'ai fait un appel. J'étais en détresse. Je pouvais bien crever. Non, tu pouvais rester sur ta béquille. Ah oui. On s'est réveillé sur la béquille. Ça me rappelle la moto de mon jeune temps. Pas une béquille centrale, une béquille latérale. Donc, Medellin. Bonjour. Bonjour. Medellin. Vous avez aimé la vidéo? Est-ce que vous avez aimé? Moi, j'ai bien aimé. Vous avez vu ce qu'il m'a fait? Il m'a abandonné. Et puis après, il vient faire « Viens, ma chérie, viens, ma chérie. » C'est toi qui m'as laissé partir et qui a foutu le camp en arrière. C'est ça. Et les preuves, elles sont dans la vidéo. Tu vas tout droit et puis pouf, tu vas sur le côté. J'ai les preuves. Bah non. T'as essayé de me... Bah oui, je suis la route, donc je tourne. Je suis le trottoir. C'était long, 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 trottoir tourne, je tourne. Et alors, il y en a beaucoup qui se sont fait avoir. On s'est disputé, mais c'était pas une vraie dispute. Mais non. C'était pour mettre la police dans l'embarras. Pour qu'ils nous foutent la paix. Et ça a marché. Et aussi bien pour la police aussi. Que pour vous. On est des bons acteurs hein, quand même. Hein. Ah, je vous dis pas le 1er avril, l'année prochaine, ça va chier. Mais du coup, bah, oui, non, parce que des disputes comme ça, on n'en a jamais. Non. Jamais, jamais. Non, c'est moi qui tire la gueule et c'est tout. Ah ça, t'es champion. Tu sais le faire, ça. Ah bon? Ah bon? Donc, bah oui, alors, qu'est-ce que tu peux dire de Medellin? T'es content? C'est jusqu'à présent ma petite ville coup de cœur. Pour la Colombie. La Colombie. Of course. Bien sûr. Et bien voilà, bon, c'est tout hein, finalement. Oui. Oui, et alors, donc, vous avez vu dans la vidéo, on croit que ça monte comme ça, mais ça monte comme ça. Oui. Si eux n'arrivaient pas à monter avec leur moto et leur voiture, je vous dis pas nous. Comme le stress qu'on avait. La route était mouillée aussi. Hein. Un peu, oui. 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 Et nous, c'est des véhicules lourds aussi. Eux, ils sont avec des petits véhicules pas lourds. Oui. Même si on a la puissance. Exact. À bientôt, les amis. Allez. Bye. Salut. Si vous aimez les Fradis, n'oubliez pas d'activer la cloche. Écrivez votre commentaire. Si vous les aimez pas, mettez le pouce en bas, mais vous êtes vraiment nuls et vraiment mauvais goût. N'oubliez pas de mettre un petit pouce. Et sonnez la matine. Or leave a comment. Et mettez des commentaires surtout. Fradis, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bonjour Fabienne. Bonjour Fabienne.